Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Doki Doki Literature Club Plus. Eh oui. Au cas où vous ne le sauriez pas, au cas où vous ne se verrez pas, tout ça, je suis assez hype. Je suis assez content de retourner dans cet univers, sachant que il n'y a pas si longtemps que ça, en plus je voulais rejouer à Doki Doki. Et je l'avais téléchargé, et finalement, bon bah, j'ai fait d'autres trucs. Et bon bah, il s'avère que le jeu a été annoncé, donc plus d'interactions, plus de lore, plus d'histoire a priori, et plus de surprises. Parce que voilà, on sait pas tout, j'ai pas regardé tout ce qui a pu être dit sur le jeu. Voilà. Et c'est vrai que je remarque ça que maintenant, mais le jeu il est vanilla en français. Bon, bah let's go, hein. Let's go, c'est parti pour des DLC+. If I don't know how to love you. Ah oui, évidemment, qui dit Doki Doki, dit doublage. Ah là, je pourrais pas m'en tirer sans commentaire. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais bon, on se connaît depuis toujours, on s'entend bien. On allait à l'école ensemble. Bon, par contre, depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever. Et bon, bah, au bout d'un moment, l'attendre tous les matins, c'est chiant, donc je le fais plus. J'en ai un peu marre. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie d'aller sur place, en fait. Mais bon, voilà, ça se fait pas. Voilà, bon, du coup, je l'attends. Je laisse me rattraper. J'ai encore une peine de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ouais, j'ai un peu laissé ma temps, hein, voilà. Bref. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil, Sablou. Non mais tu sais, les gens ils te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas trop envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble ou... Oui bon d'accord, putain, il est plus cash qu'avant, bon j'ai pas fait de remarque là-dessus mais les dialogues ont changé, hein. C'est pas la même, je suis quasi, enfin, ou la trad fait que, c'est pas la même formulation de phrase, peut-être. Globalement, quoique non, j'ai l'impression qu'il y a des détails en plus, bref. N'empêche tu m'as attendu. On dirait que t'es pas capable d'être méchant même quand t'en as envie. Ouais, si tu le dis, ouais. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Au bahut. Pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Blue, est-ce que t'as choisi un club? Hein? Non, mais, enfin... J'en ai rien à foutre des clubs, en fait. Ça m'intéresse pas. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit que t'en choisirais un cette année. J'ai dit ça? Ah oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où je l'écoute plus vraiment et du coup je lui dis oui, quoi, sans l'écouter, pour qu'elle me lâche. Sayori, elle adore s'en faire pour moi, alors bon, ouais, j'aime bien ma vie tranquille, là, je joue aux jeux vidéo, je regarde des animés, voilà. Oui! Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi, parce qu'à ce train-là, t'apprendras jamais à te faire des amis. Tu sauras rien faire d'ici la fac. T'es qu'une petite merde. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. Ben, d'accord, t'es heureux pour l'instant. Mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années, simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Non mais c'est plus le même jeu, hein. Aide-moi à plus m'inquiéter pour toi. Wakata? Ouais, non mais voilà, écoute, voilà, je vais te faire plaisir, je vais me renseigner sur des clubs un peu, je regarderai les affiches là, tu sais, voilà. Je te promets rien, hein. Juste passerai devant, quoi. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences.
Peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. Je veux dire, je suis pas social non plus. Je crois. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent, en essayant de me motiver. Ah, les clubs, ah, il faut que je passe devant l'affiche des clubs, ah. Sayuri veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Ah, mais y a un club d'animé! Coucou! Sayuri? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Ouais, elle, du coup. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je serais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi, des fois. Je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre. Surtout, en plus, tu vas te mettre en retard pour ton club. Ce serait dommage, quand même. Eh ben, je me suis dit que t'avais peut-être besoin de motivation. Alors, j'ai pensé que... Tu as pensé que... Que tu pourrais adhérer à mon club? Ouais. Oui, Sayuri. T'es d'accord? Non. Non, en fait, non. Non, y a pas moyen. Genre, non. Je vais pas aller dans ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayuri est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais pas du tout qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, enfin, je suis même sûr, quasiment... qu'elle la rejoint juste pour faire plaisir et aider un peu quelqu'un dans se lancer dans un nouveau club, là. Voilà, bon... C'est une gentille fille, quoi. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Forcément, bah, ils étaient deux, donc bah, il y a la présidente et la vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Mais clairement. Non, non, mais... En fait... Sayuri, je vais rejoindre le club d'animé, je pense. Ça a l'air bien, les animés. T'es pas sérieux, là? Pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que... J'ai un peu dit aux autres que j'ai emmené un nouveau membre et... du coup, Natsuki, elle a fait des cupcakes, tout ça... Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. Sayuri... J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a toute manigancée depuis le début. Bon. Ouais, bon, je passerai pour manger des cupcakes. Ça te va? Hein, c'est ça. Voilà, je passe, je mange les cupcakes et je m'en vais. Super, allez, on y va. Alors oui, je sais, hein, évidemment. Ce n'est pas exactement ce qui est écrit. J'interprète un peu. Voilà, je veux dire, on a déjà fait un Let's Play Vania sur Doki Doki, une découverte de Doki Doki Literature Club. Là, c'est un peu particulier, il y a une partie de découverte, hein, parce qu'il y a beaucoup de dialogues là déjà que je connaissais pas. Il y a aussi des nouveaux sprites, hein. On a pu voir un peu la tête de Sayuri, les expressions de Sayuri, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais voilà, ouais, je suis là pour m'amuser, j'espère que vous passerez un agréable moment. Voilà, hein, et c'est comme ça que ce jour-là... J'ai vendu mon âme au diable. J'ai vendu mon âme pour un cupcake. Excusez-moi. Pardon. Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage au-dessus. Déjà, il faut monter les marches, c'est chiant. Une partie de l'école où je vais rarement, forcément, du coup. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Sayuri. Je suis pas... Non, mais... Non. Je suis pas un nouveau membre, je jette un coup d'œil dans la pièce quand même, je vais peut-être pas continuer de parler tout seul comme ça. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Je sais pas encore quelle voix, je me rappelle plus des voix que je donnais aux personnes. Autant Natsuki, je sais exactement la voix que je lui donnais, autant Yuri, je sais pas. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. C'est un peu flippant, ça, par contre. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse, là? Pardon, je... Hein, qu'on se mette bien d'accord. Même si j'ai été dur avec Natsuki dans le premier Let's Play. Elle est marrante, Natsuki. Elle est sympa. Elle est touchante aussi. Voilà. Hein, mais...
trouve que cette voix lui va bien. Pff, comment ça va pourrir l'ambiance? Après, si elle dit des phrases comme ça, désolé, l'intonation, elle vient toute seule. Ah, Blue, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Ouais. Là, j'avoue, j'ai pas les... Ouais, voilà. Voilà. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Bordel. Bon, y en a une qui est peut-être un peu jeune. Au secours. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est... Ouais. Si t'as quelque chose à dire, t'as dit, je gêne pas. Non, mais... Pardon? Natsuki. Bon, la grincheuse qui râle tout le temps, visiblement elle s'appelle Natsuki, je la connaissais pas. Super. Vu sa petite taille, on dirait presque qu'elle a genre 3 ans de moins que nous. Mais enfin, une élève de première année, quoi. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il faut pas faire attention. Sayori me murmure... Ah, ouais, bah, ouais, bah... Et bon, bah, trop tard, elle a pas murmuré, là, du coup. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et Natsuki. Je suis ravi de vous rencontrer. Eh, on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Blue. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît. Voilà, bon, on s'est dit bonjour, quoi. C'est la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. C'est le level au-dessus, quoi. J'ai pas de level, moi. Beaucoup trop bien pour moi, quoi. Du coup, j'avoue que quand elle me sourit comme ça, ça me fait quelque chose. Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Blue. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Comment ça, le jeu, il va me laisser le choix? Genre, je vais chercher les cupcakes. Hé, c'est moi qui les ai fait, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça veut dire que je fasse du thé? Bon, hein? En fait, je crois que c'est la voix la plus claire, ça va être celle de Natsuki. C'est le temps que je m'y mette et que je trouve vraiment une voix adaptée. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Oui. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je préfère m'asseoir à côté de Sayori. Ouais, parce que si Joey m'avait laissé le choix, ça aurait été étonnant. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Mais non, tu peux pas avoir cette voix-là, toi. Au secours. Oui, pardon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser. On pourrait peut-être le préciser maintenant. Avant que je me mette à dire des grosses conneries et des trucs, voilà. C'est un let's play qui est fait en connaissance du jeu de base. Donc je vais me retenir de vous dire qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, machin. Mais je vais pas pouvoir me retenir non plus de faire quelques allusions. Je vous préviens d'avance. Donc, je pense que c'est quand même un let's play qui est plus destiné à des gens qui connaissent Doki Doki Literature Club. Vanilla, hein, pas le plus du coup, parce que là, bah, voilà, hein. Bref. Du coup, Bon, tout le monde est prêt? Tada! Ouah! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs, en forme de petits chats. Petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat fondent les oreilles. C'est kawaii. Voilà. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser. Natsuki. Bah, tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier. Puis Monika. J'en prends à mon tour. Ah, c'est trop bon.
Sayuri parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je vais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Voilà, là, c'est plus que des regards, ouais. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens. Hein? Ah non, non. Quoi? Hein? Pardon? Non, là, le jeu, tu me fais pas un coup de... Tu fais pas ce que je pense. J'ai pas déjà entendu ça, moi. Si, mais j'ai entendu beaucoup de dialogues jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ce dialogue-là, il me faisait déjà tiquer. Bon, après, ça se trouve, c'est autre chose et le jeu, il va pas du tout partir en méta parce que j'ai une save de Doki Doki. Je pense pas. Vous avez fait pour toi, je veux dire. Ouais. Mais je croyais que... Attends, Sayuri, elle m'a dit que si, en fait... Oui, bon, peut-être. C'était pour un nouveau membre. Pas forcément pas pour toi, idiot. Baka. Ouais, voilà, elle, si elle dit idiot, on dira Baka, hein. Je veux dire, c'est Natsuki. Ok. Bon, j'essaie même plus de comprendre cette personne-là. Elle a une logique que je ne comprends pas. J'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ouais, sans doute. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Mais non, je... Ah oui, mais je pense avoir une idée d'intonation pour Yuri. Et Monica, c'est bon, j'ai son intonation. Donc ça devrait aller. Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, après, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Le sourire juste du thé, du coup. Au sens sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? Alors, comment t'expliquer, Monica? J'avoue que je craignais un peu cette question. Peut-être pas une bonne idée que je dise à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici, mais en même temps... En gros, j'avais pas trouvé de club. Sayori, elle avait l'air vraiment bien ici. Du coup, bon, voilà... Ah, y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes bien à l'aise, ok? Je sais pas pourquoi j'ai rajouté des mots. En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. C'est normal que tu parles faux? Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent, je veux dire, tu demandais et tout le monde te disait oui, hein. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? C'est vrai. Bah, tu sais, en fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité, ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. En faisant quelque chose de spécial. Et si, en plus, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres en fait. Enfin, bon, ça doit pas être facile de démarrer un club, hein, j'imagine. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules,
comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, le problème, c'est que les bouquins... Ouais. Dis-nous, Lou, qu'est-ce que t'aimes lire? Qu'est-ce que j'aime lire? Alors, vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, je sais pas du tout quoi répondre. Des mangas? Hein? Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer, Yuri. Qu'est-ce que je raconte? Oh, pardon. Excusez-moi, mais le jeu, il me tue. J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Putain, mais c'est vrai que c'est un charreau. C'est vrai que de base, il est all-in. Notre perso est all-in. Mais alors là, j'ai l'impression que c'est... Ils ont mis un petit level en plus, quoi. Ouais, bref. Et toi, Yuri, t'aimes lire quoi? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques, à la fois profonds et complexes. Je m'éveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon... J'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Ah, j'en ai lu un une fois, il y a longtemps. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait me parler à un caillou, je pense que le résultat serait le même. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que t'es plutôt du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travailles sur un poème intitulé « Tais-toi ». Rends-moi ça. D'accord, d'accord. Tes cupcakes, tes poèmes? Tout ce que tu fais, c'est mignon. Calme-toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains derrière les épaules. Sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les montrerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, c'est ça? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce que l'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Ah mais... Putain, c'est marrant comment ça en est. C'était pas du tout emmené comme ça, là. Bref. Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Non mais, enfin, c'est pareil pour Yuri, non? Mais moi, j'aimerais lire vos poèmes, moi. Un an, je passe. Bon, j'ai une idée. Nat et You.
Nat et Yu. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va toutes rentrer chez nous et écrire un poème. Tous, pardon. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça! En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns envers les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Blue? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Alors, par contre, il y a juste... genre un léger problème. Alors, vraiment... vraiment léger, hein. Lequel? Donc voilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. En fait, j'ai jamais dit que je rejoindrais votre club, en fait. Alors bon, oui, Sayuri, elle m'a convaincu de passer. Mais de passer. J'ai pas décidé encore, quoi. Genre, voilà, il y a d'autres clubs qui m'intéressent, que j'aimerais bien voir. Club d'animé. D'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les quatre filles me lancent un regard découragé. À part Natsuki qui a l'air de m'en vouloir et de vouloir me tabasser. Mais... je suis désolée. Je croyais que... Blue... Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Sounds wrong. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance comme ça, là? Bon, d'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Le charreau en moi... il a envie de le faire. Ouais, bon, ok, c'est bon, ça va. C'est bon, ouais. Non, mais c'est bon, finalement, ouais. Ouais, je veux bien être dans votre club. Juste... vous recrutez personne d'autre, hein. L'une après les autres, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente. Sayuri me serre dans ses bras en sautillant. Oh, calme, Zem. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si c'était juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Blue. Ouais. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle avec mon écriture de merde. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Blue, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Ah bah c'est vrai que du coup, vu qu'elle allait à son club après les cours, on le fait jamais, ouais. Bah si tu veux, pourquoi pas, oui. Super. Tout. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces quatre filles. Sayuri, qui est juste à côté de moi, hein, mais bon, j'y repense quand même. Natsuki. Même si elle souriait pas vraiment dans mes souvenirs. Yuri. Et bien sûr, Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Je vais vérifier un truc, mais oui. En fait, parce que tous les sprites ont été retravaillés. Hein. Genre, c'est vrai que... Je sais pas s'ils ont vraiment... Enfin, je sais pas exactement vous dire ce qui a été modifié. Pour moi, déjà, tous les yeux ont été modifiés. Enfin, tous les regards. Mais ils ont gardé certaines règles. Bref. Enfin. Bon, ça me permettra de me rapprocher peut-être d'une de ces filles. On sait jamais. Oui, voilà. Voilà, mais ouais, mais voilà. Il faut que je fasse... Ouais, faut que je voie le bon côté des choses. Peut-être que la chance finira par me sourire. Peut-être que je vais pouvoir pécho. Mais bon, bah par contre, il faut que j'écris un poème. Quoi. C'est parti pour le poème. Oh, cette OST. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à un membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose.
Ah. Oh mais cette OST hein. Tout petit. Je veux dire, certes, j'ai dit que c'était un let's play où on a, voilà, hein. Effectivement, oui, j'ai déjà fait des DLC. Et j'avais déjà eu une ligne directrice dans des DLC. Qui vous fait croire que je vais la changer? Ah merde, je voulais mettre sombre. Comment ça? Mais saloperie. Bon, massacre, voilà. Firmament. Oui. Promesse? Non. Dynamique? Prière? Prière. D'accord. Doki Doki? Je voulais tester. Pam pam. Voyage. Enveniment. Mélancolie. Doigt mère. Désespoir. Mais j'ai peur que elle saute là. Saloperie. Tom 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 tom. Putain. Je vais me choper Sayori. Non, en vrai j'ai le temps. Un succès. Mais il y a des succès. J'avais même pas fait gaffe. Le temps. Oh le chaton là. C'est pas grave hein. Au pire c'est pas grave si je fais pas du full full Yori au début. Imagination. Expiation. Cabriole. Cimetière. Yes. Salut Blue. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, 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 t'inquiète, non. Par contre, si tu rigoles comme ça... Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un peu space. C'est un peu space. Putain, ouais. Bon, au moins, j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Blue. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué... Oh, ça va, il peut faire un effort, hein. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre le club, un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais même pas si tu comptes te pointer ici juste pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, bah t'auras un réveil pénible, hein. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica, manga, merde... Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Blue, il est toujours super quand il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main dans mes corvées, avec mes corvées quand je me sens, quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre... Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Non mais Sayori... Enfin, tu sais, si je fais ça, c'est juste que... C'est genre tellement le bordel dans ta chambre que bon, bah... Si tu veux marcher, il faut bien ranger, quoi, en fait. Et bon, pour la cuisine, est-ce que tu veux que je te rappelle la fois où t'as failli mettre le feu à la maison? Ah bon? Vous avez l'air d'être bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez devenir aussi bons amis, vous et toi, tu sais? Sayori. Oui. C'est pas grave. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte dans l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Et dans lequel elle vient de mettre Yuri aussi. Oh, au fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Sayori. Quoi? C'est... enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. C'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori. Elle en fait toujours tout un plat, mais c'est rien, je t'assure. Oh, qu'est-ce
que je dois faire. Je suis désolée, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être encore à moi de sauver les meubles. Écoute, t'inquiète, hein, t'en fais pas. Je m'attendais à rien, hein, donc c'est très gentil. Hein. Ce sera forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Mais oui, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long. Alors même si tu n'en as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. C'est adorable. Merci Yuri, c'est trop sympa. Je vais le lire, je te promets. Trop content, je prends le livre. Ah oui. Je suis soulagé. Ah, et je peux faire clic droit pour avoir l'image en full. D'accord. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayuri et Monica se discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait entendu que ça. De son côté, Natsuki, elle farfouille dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. C'est relou. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Ah. Mince. Je crois que j'ai pas été très discret. Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Et merde. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Désolé. J'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaie de la rassurer. Ah. C'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre, alors. Celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. Simple curiosité, comment ça se fait que tu possèdes deux exemplaires du même livre? Eh bien, quand je me suis arrêté chez le libraire hier... c'est pas ce que je voulais dire. En fait... J'en ai juste acheté deux exemplaires. Pourquoi elle a parlé de passer de chez le libraire hier? Bon, elle n'a pas acheté deux de base, genre elle nous en a racheté un pour nous exprès. Mais d'accord, ok. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais bon... Voilà. Pas insister. Je vais commencer à lire d'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras une fois que l'histoire démarre vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui parle à tous. Ah bon? Ça parle de quoi, en fait? Eh bien... Yuri ferme le livre et lit rapidement la quatrième de couverture. Il s'intitule « Le portrait de Markov ». Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. C'est bon. Je voulais juste m'assurer que je n'allais rien dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise pour cible par des gens qui sont échappés d'une prison où on fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer, et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben... Ça a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Blue? Non, c'est pas ça. Ce genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Oui, j'avais oublié que Yuri était fan de ces trucs glauques. Des trucs qui font flipper. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée. Mais elle a l'air d'avoir une mentalité totalement différente. C'est juste que ce genre d'histoire... Ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie,
Attendez, attends, parce que là, c'est pas les mêmes dialogues. C'est tout savoir la vie sous un angle inhabituel. Quand c'est terrible, quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Ok, voilà. Désolé, hein, je voulais juste revérifier. Mais... Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je divague. Hein. Ouais, bon. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser, t'inquiète. Ça m'intéresse toujours autant. Bon. Imagine que c'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par te dire quelque chose de bizarre. N'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. C'est... T'inquiète, t'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. Nous en a un club de littérature, après tout. Ah, c'est... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Tu te sens pas obligé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que t'avais hâte que je commence. Deux secondes, je cherche le livre. Je me dépêche, je vais récupérer le livre que j'ai mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah! Oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très très à l'aise quand même. C'est... Je suis désolé. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Ah, d'accord. Si je finis par te déconcentrer, tu n'hésites pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'était pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment? C'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Comme ça, ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri se tient du côté du livre entre... Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah. Au secours, je me perds dans les voix. Ah. Ah. Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son propre pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence un petit peu à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Hein? Tournez la page. Pardon, oui. Excuse-moi, je t'ai perdu dans mes pensées. C'est quoi cette phrase qui enfonce encore plus le clou? Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri, et nos regards se croisent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi. Ça me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi. Oui. Merci en tout cas. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volait du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Hé, Yuri. Tu vas peut-être trouver ça un peu bête, mais... Le personnage principal, il me fait un peu penser à toi. Tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah...
Bon, elle est un peu plus directe que toi, mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Yuri reste silencieuse un moment. Mais, Blue, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Ah. C'est tellement gênant que tu penses ça. Attends, c'était pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque ça chez toi. Je voulais... Ben, je trouvais ça plutôt mignon, en fait. Qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention, tout le monde! Saloperie! C'est le moment de partager nos poèmes! Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps! Connasse! Yuri soupire, comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Ouais. Tout va bien, Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolée si tu en as pas très envie. Non, c'est pas... C'est rien. Yuri lâche le livre qui se referme sur son pouce. Bon. Je continuerai la lecture ce soir, alors. À moi, est-ce que tu préfères que je lise avec toi? Je n'ai pas vraiment de préférence. Bon, j'en lirai un bout ce soir, et ça serait sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? T'as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les deux premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress, genre très léger. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. J'ai trop hâte! Super enthousiaste, Sayori et Monika sortent le poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monika, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika. Natsuki et Yuri s'exécutent, elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Tout, tout, tout. En vrai, je sais pas du tout comment je vais faire pour le montage de ce truc. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de montage en fait. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Mais parce que du coup, en fait, en fonction, on va pas tarder à s'arrêter. Mais on va montrer nos poèmes quand même. Hein? Donc à qui montrons-nous notre poème en premier? Bah, Monika. J'aurais commencé par Monika. Monika. Hier, elle avait l'air d'avoir très envie de lire mon poème, et je lui montrais que je fais des efforts. Salut Blue. Alors le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Je dirai rien. Hein, voilà, j'oserais pas donner mon avis. Mais, je vais me contenter de suivre le mouvement, mais voilà, bon, peut-être que le jour où je serai plus à l'aise, on verra. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. T'en fais pas, Blue. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Oui, t'as raison. Je sens mon poème à Monika. Bravo, Blue. Tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. Eh ben. Non, peut-être qu'elle tiendrait dans ce genre-là, ceci dit aussi. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Au moins, quand je surprends, ce sera toujours agréable. Donc quand je fais des efforts, tout ça, ouais. Mais c'est pas juste. Enfin bon, ça marche, on dirait. C'est que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles.
contrairement à Sayuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions, ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça peut demander des années de pratique, c'est certainement le cas d'Yuri. Je n'ai jamais posé la question, cela dit. Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Ne t'en fais pas, tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Ouais, je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Hein. Ou juste faire des poèmes pour Yuri. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais devoir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Tu veux lire mon poème maintenant ? Ouais, hein, voilà. T'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui ne dit pas très doué, t'as l'air plutôt sûr de toi quand même. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends ? Je vois. Bon bah, let's go lire le poème. Hein. Trou dans le mur. Je connais ce poème. Bon, en tout cas, il existait déjà. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un moyen bruyant ? Un petit ami énervé ? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines, elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. Il s'est tiré sans fin. Surtout, un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Il est sympa ce poème-là. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est très libre. C'est comme ça, comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner un avis là-dessus. Disons que l'avis que je pourrais donner, je me le réserve pour plus tard. C'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème ? Ah ! Alors, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Genre hier. Et ça influence mes poèmes. Tout simplement. Une révélation. Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux. Parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Ouais, intense c'est le mot, ouais. Peut-être qu'une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tienne la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Bah let's go Yuri. Je vois le regard de Yuri s'illuminer au fil de sa lecture. Exceptionnel. Hein ? T'as dit quoi ? J'ai dit sa voix haute. Yuri commence par mettre sa main devant sa bouche, puis elle finit par se cacher le visage. Elle va me détester. Non mais alors, t'as rien fait de mal, Yuri. Surtout, si tu dis exceptionnel, je vais pas te détester. Généralement, quand quelqu'un te dit que t'es exceptionnel, tu vas pas le détester pour ça, tu sais. Oui, t'as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse ? Yuri prend une grande profonde inspiration. Donc, ça arrive souvent d'écrire des poèmes ?
ton utilisation des images et des métaphores laisse penser que c'est le cas. Ah bon? Venant de toi, c'est un sacré compliment, merci beaucoup. En fait, c'est la première fois que j'en écris. Hein? Yuri me regarde d'un air ébahi, puis elle se replonge dans mon poème. Oui, je savais. Je veux dire juste que... Incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Elle parcourt mon poème du doigt, comme si elle l'analysait plus en détail. Oui, voilà. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à réparer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont toujours tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout, et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu, lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser. Parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuka a tendance à pas être très objective. Pas très objective? C'est étonnant, ça. Mais comment ça, je veux dire, pardon? Non, rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. T'inquiète. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Mais bon. Ça te dérange si je lis ton poème? Non, je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. C'est pas dans un club de littérature? Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baignées d'ambre, ça doit être lui. Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Du futur, hein. D'accord. Je baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, je vacille à mon tour. Quand même, c'est sympathique. Elle est quand même bien fichue, la trad, je trouve. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Bien. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, hein. Tu as mis beaucoup de temps pour le lire. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Donc t'es pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. T'inquiète, hein, pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Blue, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah. Je crois que j'ai raté un truc alors. Je l'ai pas lu assez longtemps. Ah, attendez. On l'a pas, hein. Non. On n'a pas le poème... J'imagine que t'as lu mon poème en biais. Ah, mais elle est où? J'ai perdu Yuri. On a perdu Yuri. Merde. Mais n'oublie pas que les poèmes les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou d'écrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Il ne restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. C'est impressionnant. Hein? Non, c'est vraiment pas grand-chose. Ton poème était plutôt impressionnant aussi. Arrête. Nous deux, c'est plutôt moi qui aurais des choses à apprendre de toi. Hein. Tu crois? Évidemment. Ah, tu sais, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de faire ça. Mais au final, ça m'a plu. J'ai continué à faire de mon mieux pour toi, Blue.
C'est gentil. Moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais elle est trop mignonne, hein. Moi, je suis Team Yuri, je suis désolé. Hein. En fait, mais c'est trop marrant, parce que je développe pas parce que, voilà. Parce que je sais pas, c'est pas quelque chose que je trouve nécessaire, entre guillemets, à développer, parce que c'est très personnel. Mais il y a toute une phase, là, de discours. Ça commence à faire un petit moment, mais... les premières phrases, en gros, que sort Yuri, qui introduit le personnage de Yuri, globalement, en gros, c'est un discours très proche de celui que je peux avoir sur certains points. Du coup, je me reconnais dans Yuri sur certains points. Du coup, je préfère Yuri. Je pourrais en dire plus sur un autre personnage sur lequel je m'identifie aussi pas mal. Mais je vais me garder les commentaires pour l'instant. Mais même, enfin, ceci dit, hein, de manière générale, dans tous les personnages de ce jeu, même peut-être d'ailleurs paradoxalement, c'est peut-être mon personnage dans lequel je m'identifie le moins, mais parce qu'il est moins mis en avant. Il y a des parties sur lesquelles je me retrouve un petit peu dans chaque, en fait. Mais j'imagine que c'est un petit peu le cas pour tout le monde dans certaines mesures. Mais voilà, mais disons que la personne dont je me sens le plus proche, entre guillemets, c'est Yuri. Voilà. Donc, Team Yuri, désolé, pas désolé. Pire, achetez le jeu et faites-vous de votre côté, ou téléchargez Doki Doki Literature Club normal, et jouez-y, voilà. Ça, Yuri. C'est un bon poème, Blue. Tu es sûr que c'est la première fois que t'en écris un? Je suis sûr et certain, oui. C'est pas si exceptionnel que ça non plus, hein, tu sais. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? Tu crois que je suis comme ça, Sayori? C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionné. Pour tout te dire, j'avais peur que tu te prennes ça par-dessus la jambe. Ou tu ne daignes même pas en écrire un seul. Ça me fait plaisir que t'en aies écrit un au moins. Ça me rappelle que t'es un vrai club, membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas? Bien sûr, et bien évidemment, oui. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Blue. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions, mais... bon, après... je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Elle et les trois autres filles. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui. Je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler, alors. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. On va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux en sommeillé. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai faim. J'ai envie de déjeuner. Alors, est-ce que c'est la trad qui fait que... est-ce que c'est juste une question de trad? Ou est-ce qu'ils ont reformulé ce poème? Parce que je le trouve beaucoup plus direct. Je trouve que l'image est beaucoup, 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 beaucoup plus claire, on va dire. Mais... il est mignon ce poème, en vrai. Sayori. Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non. Enfin... Juste un peu. Je peux pas répondre juste un peu à une question où c'est soit oui, soit non, Sayori. J'ai oublié de le faire hier soir. Bah au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Sois pas méchant. Je fais de mon mieux. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein. T'en es plutôt bien sorti, en fait. Je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Oui. Surtout ce dernier vers.
J'ai fait des œufs et des tartines. Ouais. Ouais, change de sujet, ouais. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. On va pas débattre là-dessus, ça sert à rien. Bon, bref, merci de m'avoir fait lire, en tout cas. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Oui, si on veut, oui. La prochaine fois, je l'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. À qui je monte mon poème ensuite? Blue, si tu prends pas ce club au sérieux, rentre chez toi. Quoi? Tu vas un peu fort là quand même. Attends, tu vas quand même pas me faire croire que tu t'es appliqué ici? Tu me prends pour une idiote? Je suis pas un poète. Ok, c'est pas terrible, mais j'ai fait des efforts, ça va, oh. Faut bien commencer quelque part, non? Si t'es encore fier du tout premier poème que t'as écrit, j'aimerais bien le lire. C'est un mauvais souvenir, hein. Hachet. Bon, d'accord. Désolé. Tu vas t'améliorer de toute façon. Je serais bien, je t'expliquerai bien ce qui va pas, mais il vaut mieux que tu recommences à zéro, en fait. Putain. Oh, insupportable. Chacun son truc. Ah, okay. C'est un amour. C'est un amour, Natsuki. Bref, je dois te faire lire le mien maintenant. Mais bon, à te connaissant, tu vas sûrement le trouver stupide, parce que t'en comprendras pas tout le monde chez... Non. Non, ça, j'ai rajouté. Les aigles volent. Les singes grimpent. Les criquets sautent. Les chevaux trottent. Les hiboux chassent. Les guépards courent. Les aigles volent. Les gens essaient. Mais c'est tout. Merci. Tu vois? Je t'avais dit que ça te plairait pas. Non, mais... J'aime bien. En vrai, au moins... Je crois que c'est le pro... Il est facile à retenir, au moins. Pour le réciter, c'est bien. Quoi? Alors, arrête... Allez, arrête de te moquer de moi. Non, mais c'est vrai. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Parce que... au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être super sophistiquée et tout. Alors les gens, ils me prennent pas du les textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer? Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Et ça, c'est vrai. Là, je me suis moqué du poème de Natsuki. Je me moque plus de la forme que du fond. Il y a un vrai sous-texte. Voilà. Mais c'est vrai que bon... C'est peut-être pas... voilà, si on me demande de voter pour un des quatre poèmes que... à voter, ben voilà, pour le quel poème parmi les quatre là que j'ai lu, j'ai préféré, c'est clairement pas pour celui de Natsuki que je vais taper un, quoi. Voilà. En vrai, je sais pas trop pour lequel je préfère dans les quatre qu'on a lus. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y en a deux, là, je les adore parce que par rapport à ce qu'ils représentent. Je pense que c'est celui de Sayori. Je pense. Bref, voilà. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu des mots, au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus recherché qu'il paraît, ouais. C'est ça être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Putain, on est peut-être pas ça de la part de la plus jeune de la bande, hein. Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre parce qu'elle m'a un peu saoulé. Là, j'ai pas vraiment d'importance. Mais pour... le personnage précise pour moi. Oui, non mais en soi, en vrai en soi, si elle a un an de moins, ça va. Mais si Natsuki est son frère, je vais pas lui enlever ça. Ouf. J'ai fait le tour.
C'est bon. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus récent que prévu quand même, hein. Un peu l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Alors, elles ont tous été très sympas, bon, à part une, mais elles ont toutes été très, très, très sympas, mais... Bon, mon bohème, c'est de la merde à côté des leurs, quoi. Après, c'est un club de littérature, en même temps, hein. Ouais, je l'ai cherché, hein, ouais. De l'autre côté de la pièce, Sayuri et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia ? Pardon ? Tu as dit quelque chose ? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est... mignon. Mignon ? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. T'es complètement conne, comment tu peux trouver ça mignon ? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire... C'est un compliment, tu sais. Hein ? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Ah, si j'ai besoin de suggestions, je demanderai quelqu'un qui a expressé mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayuri, par exemple. Blue aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'ai quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Blue a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc. Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein ? Mais c'était parce que Tu... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Blue apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon ? Et comment tu le sais, hein ? T'es si prétentieuse que ça ? Non. Si j'étais prétentieuse... Je ferai des manières exprès pour avoir l'air mignon dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien ? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Blue a commencé à pointer son nez. Natsuki ! Natsuki, c'est un peu... Occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste ces disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Blue ? N'écoute pas. Elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ses poèmes aussi tordus ? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Blue ? Mais nique, hein. Enfin... C'est juste d'autres deux façons de faire. Donc nique, toi, hein. Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Alors, pas tout à fait... Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Pour les deux extrêmes, là... Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Blue ? Alors ? T'es obligé de me mêler à ça. Je connais rien en littérature, j'y connais R. Bon. J'imagine que celle que je soutiens, elle aura une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... Yuri ! Ah oui, il faut un coup de pression en mode t'as mis clic, mais non. Natsuki. T'as raison, j'ai bien aimé ton poème. Ah, tu vois ? Attends, te... J'ai pas fini. Ça te donne pas une justification de te comporter comme la reine des connasses. On ne se dispute pas avec quelqu'un
parce qu'on n'est pas du même avis que lui. Voilà. Hein? On ne se dispute pas avec quelqu'un parce qu'on n'est pas du même avis. Cette phrase, elle est bien cette phrase. Elle est très juste cette phrase. Pardon, je suis plus dans le jeu. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri, elle s'est moquée de mon poème. Oui, je comprends. Bon, Yuri. Oui. T'as un talent dingue. Vraiment. Vraiment. Bon, voilà. Je sais déjà que ton poème m'a épaté. C'est... Mais, tu vois... L'important... C'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. Mais pourquoi il est en train de me... Je me mets pas les deux à dos, là. Moi, j'ai choisi Yuri, hein. L'auteur, il met ses sentiments. Et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki se sentit insulté quand t'as dit que son poème, c'était mignon. Je comprends. J'avais pas remarqué que je... Je suis désolé. Désolé. Par contre, toi, Natsuki... Non, mais voilà. Mais en vrai, par contre, c'est très bien. Parce que en vrai, ça résume bien ma pensée, là, pour le moment. Toi, Natsuki... T'es allé trop loin, quoi. Faut que tu te calmes, hein. Calme-toi. Yuri, elle pensait pas mal. Elle t'a dit, je t'ai fait un compliment. J'ai pas pris ça comme un compliment. Bah oui, bah tu m'étonnes. Bon, tu vois, si tu lui avais dit ce que tu ressentais, ça serait pas parti en vrille comme ça. Tu rigoles, là? C'est exactement ce que j'ai... Non. Voilà, merci Monica, parce que j'en peux plus. Natsuki, stop, ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusée. Tu ne crois pas que tu devrais en faire autant? Natsuki serre les poings. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort. Et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Finit par avoir de la peine pour elle. Tu sais, parfois, quand je me sens blessée, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Sayori, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me partir vos tronches. Natsuki attrape son poème sur le pupitre et sort en trombe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement dans la poubelle. Natsuki? Mais qu'est-ce qui lui prend? Jette un coup d'œil dans la pièce. Le menton dans les mains, Yuri a le regard fixé sur son pupitre. Je m'approche prudemment d'elle et je m'assois sur une chaise à côté. Ah! Ça va? Je me sens tellement mal. Je reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non! Comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça? T'as géré ça super bien, hein? Et ça change pas du tout ce que je pense de toi. D'accord, je crois. Merci, Blue. T'es vraiment gentil. Je suis contente que tu fasses partie du club. Y a pas de quoi. Une dernière chose. À propos de ce que Natsuki a dit, c'est sûr. Enfin, je ferai jamais une chose aussi honteuse. Voilà quoi. Hein? Bah, elle a dit quoi, Natsuki? Je me rappelle pas, mais. Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ouais, bonne idée. Prévois une tasse en plus, d'accord? Ouais. Votre attention, tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Blue? Pareil, ouais, c'était cool. C'est sympa de parler avec un peu tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. Ouais. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poème que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Le charreau est de retour. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Blue, t'es prêt à rentrer? Ouais, on y va. Sayori me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles?
entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent ? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf. Tu sais, Blue, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais... Pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Je dis ça plus pour moi que pour elle. Faut dire que c'est facile de servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok. Oui. Je suis sûr que ça va être super. Ok. Bah écoutez. Moi je vais mettre fin à cette première partie de session. Parce que la voix là ça commence à devenir compliqué. Le voice acting, tout ça. Voilà, et puis faut que je me fixe un peu plus sur les voix. Autant Natsuki elle parle comme ça. Natsuki elle a une voix vénère. Autant Monica, j'essaie de lui faire la voix la plus robotique possible au monde. La voix la plus neutre. Sayuri, une voix enjouée. Et Yuri, une voix un peu timide, mais voilà. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. Je fais ce que je peux. En attendant, j'espère que ce retour sur Doki Doki, même si, alors je vous dis ça, si se trouve, la vidéo ne se coupera pas là. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Doki Doki Littérature Club Plus. Je sais, on dirait pas. On dirait pas, mais en fait... Alors, j'ai remarqué un truc. Parce que, en fait, c'était pas fait exprès. C'est-à-dire que j'ai fait ça à la fin de l'épisode 1, qui... Je sais même pas si encore ce sera vraiment l'épisode 1. Peut-être que ce sera du coup la fin de l'épisode 1, ça. Hein, voilà. Ce sera le bonus, sûrement. Mais en gros, j'ai fait ça. Je suis revenu au bureau. Trop fort le jeu. Il est trop fort le jeu. J'ai cliqué là-dessus. On m'a dit voilà, c'est des trucs annexes qui n'ont pas lieu dans le scénario principal. Pour débloquer ces 6 histoires, écrivez des poèmes pour différents personnages. Essayez d'écrire des poèmes et de voir leur scène spéciale dans des DLC. Donc voilà, on a débloqué un truc là. Confiance partie 1. Donc visiblement entre Monica et Sayori. On fera ça, hein. Alors là, si on me donne des trucs annexes, moi je le fais, hein. Y a pas de souci. Mais avant ça, bon, on a un espace courrier, mais on a aucun courrier. On a un espace image, et voilà, on a quelques images, et j'en ai débloqué, d'ailleurs. Ah, mais attendez, ah, c'est le portrait de Markov qu'elle tient, du coup, dans les mains, j'imagine. Non. Mais je peux, ça m'a débloqué un succès, j'ai changé de fond d'écran tout à l'heure aussi, et voilà. Mais ouais, si, voilà. Pour avoir choisi le mot Doki Doki, comme je vous l'ai dit, en plus, je n'avais pas vu ce mot, donc c'était finalement pas pour rien. Ça m'a permis de débloquer ça. Et, parce que j'ai regardé un petit peu... on va voir ça. J'ai débloqué ça aussi. Bon, voilà, on va réutiliser ça, parce que c'est le fond d'écran que j'avais mis à la base. J'ai remis en vanilla pour vous montrer. Là, j'ai les paramètres. Voilà. 12%, hein. 12%. 12% des fichiers recueillis. Mais en parlant des fichiers, et là c'est le drame. Là c'est le moment où on fait ah, d'accord. Et effectivement, après tout, le jeu il est sorti sur Switch aussi. Donc quelque part, voilà, hein, on est dans le métaverse, hein, ça a été dit, c'est le nom du truc, du système d'exploitation. Alors oui, je peux supprimer, je peux pas. Impossible de supprimer reset. Ah mais ça me demande même pas de confirmation. Accès de niveau supérieur nécessaire pour effectuer cette opération. Parce que ça, je peux pas l'ouvrir. Voilà. Hein. Accès de niveau supérieur, voilà. Super. On peut ouvrir ça. Alors, j'ai pas vu. Je suis sûr qu'il doit y avoir un truc caché au milieu de tout ça. Cousine copyright. Je sais pas. Non, mais il doit y avoir des trucs cachés là-dedans. Ça me paraît à peu près sûr, mais... Mais je sais pas quoi, hein. En vrai, j'ai aucune idée de quoi. Hein.
IBM, VG Affairs. Aucune idée. Bref, voilà, bon, il y a ce fichier. Là, on va s'amuser. mais attendez. Avant, voilà, il y avait ça. Lecteur de stockage temporaire. J'ai pas lu les trucs, hein. J'ai juste parcouru, en fait, je vous ai expliqué, j'ai parcouru les fichiers. Histoire de voir, en fait, je vous montrerai après, là, ou quoi, comment je vous montrerai maintenant. Mais voyez là, voilà, là, on a toute une suite. À 000, 001, 002. J'ai tout fait. Ah bah, ouais. Voilà. Je les ai tous faits. Alors, j'en ai peut-être raté. Je crois pas. Il me semble que j'ai vraiment tout fait. Et j'ai même noté certains qui manquaient. Ce qu'il en manque. Genre, il n'y a pas le 151. Voilà, 105. Voilà, là, il manque le 1. Voilà. Donc, mais j'ai noté des trucs. On va revenir sur ce qu'il y a. Mais après, donc oui. Donc, lecteur de stockage temporaire. Ne pas l'utiliser pour stocker des données importantes ou permanentes. Donc là, on parle de directory.txt. Non, c'est pas ça. Mais ce répertoire-là, le répertoire interne, j'imagine, on parle de ça. Hein, quand on parle du lecteur de stockage. Si vous devez accéder au fichier du partage encodé, copiez-les sur un autre lecteur et connectez ce dernier directement au client léger. Ne les copiez pas sur ce lecteur-ci. Ça, ça doit sûrement avoir un sens. En vrai. Et je me demande, je sais pas s'il faut partir dans des mind games où ça veut dire que si tu branches genre un support externe, enfin, est-ce que t'as un moyen de brancher une clé USB dans le métaverse? Je ne sais pas. Hein, voilà. Réa. Travaille à la mise en place d'un serveur proxy de messagerie pour nous permettre de communiquer efficacement sans avoir à soucier des supérieurs. D'ici là, gardez toutes vos données hors ligne. Paula. What? Attendez, mais... parce que, alors... Alerte... Non, en vrai, je vais pas spoiler des DLC. Je vais pas spoiler le scénario des DLC, mais je vais spoiler le lore secret de des DLC. Très, très vite fait, encore je vais rien dire. Mais je vais juste dire un nom. Parce que ce sera plus simple, je pense, comme ça. Si jamais ça vous intéresse, au niveau des informations, il faut que je leur revoie pour vraiment être sûr. Il y avait notamment Captain Hype qui avait fait une vidéo sur justement Doki Doki Literature Club où il expliquait un petit peu les mystères et il montrait pas mal de trucs qu'il y avait justement dans les fichiers du jeu. Et notamment une certaine Libitina. Voilà, je vais juste dire ça, qui a eu une histoire un peu particulière, hein, mais il me semble pas qu'on nous parle de Réa ou de Paula dans le truc. Je sais pas si ça a un rapport ou pas, en fait. Pour moi, genre, en fait, quand je vois ça, je me dis, on nous parle de gens, de personnes, mais après, bon, alors le truc serveur proxy de messagerie, ça fait très méta vis-à-vis du jeu en lui-même. Donc, est-ce que c'est pas un autre mystère? Voilà. Là, je suis sur une pente parce qu'il faut pas que j'en dise trop. Sauvegarde. Je peux regarder sauvegarde, en fait. Je suis pas allé là-dedans. C'est Ali. Format. Parce que je peux pas faire de clic droit. Hein. Je pourrais essayer de les supprimer, mais j'ai pas envie. Je vous avoue que j'ai pas envie de tenter. No fast memory. Set map. Céleste Tour. Ça s'ouvre, ça. C'est un fichier TXT. Clé d'accès trouvée jusqu'ici, via la rotation des tours. Ah, c'est les tours. Paire de clés 1, engrenage. 2, 40. Heure, point d'interrogation. 2, 2, 1. Il y a une combinaison à 3 chiffres, quelque part. Ça, oui. Ça, je sais, oui. Ça, oui. Alors, 2, 40. D'accord. Oh, putain. Paire de clés 2, bateau. Paire de clés 3, vaisseau spatial. Paire de clés 4, nick. Ouh. Ouh, la belle prise. Ouh, c'est intéressant. Parce que, alors attendez, du coup, je vais me permettre un truc, mais je sais plus où c'est. Si. Je vais essayer d'aller dans... Alors attendez, si on peut tenter le 2-2-1. 2-2-1, il y a un truc. Ah. Parce qu'en fait, on peut faire 2-2-1 là, et il y a un truc.
Planprojet.txt. Ouais. Alors attendez. Parce qu'en fait, moi, ce à quoi je pensais... Est-ce que je suis allé dans le jeu? Je crois que je suis... Ah si, bah si, voilà. Moi, c'est à ça que je pensais. Parce que voilà, mot poème, hein, words poème, poème words, je sais plus. Enfin, un des trucs qui m'a permis de débloquer bah, justement le fond d'écran que j'ai là. C'est juste, je regardais ça et t'as... En gros, c'est plus ou moins un spoil. Hein. Tu peux voir tous les mots qui sont liés au personnage. Globalement. Hein. Voilà, donc... bon, en vrai, j'ai pas vraiment lu... j'ai regardé très vite fait voir voilà on a Sayori, on a Natsuki et on a donc Yuri. Bon voilà, mais on a surtout des numéros qui nous correspondent du coup visiblement au nombre de points. Hein? Attendez, pourquoi il y a un 9h15 là au milieu là? Qu'est-ce qu'il fout là, ce truc là? Parce qu'en plus, ça n'a... En fait, genre, jusqu'à présent... Enfin, moi, ce que je... Pareil, genre, un des trucs que j'avais remarqué, c'est que là, par exemple, on est sur la partie Yuri, et justement, on nous le dit au début, mot, virgule, S point, donc pour moi, Sayori point, N point, Natsuki point, Y point, Yuri point. Donc là, par exemple, on voit, pour les mots de Sayori, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tout le monde est à 3. Enfin, tous les mots sont à 3. Du coup, je vais regarder tous les mots, là, hein. Je vais survoler tous les mots parce que spécial. Non, y a rien, là, il y a rien qui me choque en tout cas. Je crois qu'il faut qu'on trouve un 2-2-1 aussi. Hein. Mais du coup, ouais, effectivement. En gros, par contre, remarquez qu'à chaque fois, c'est le 3. Il y a 3 points pour Sayori. Et là, Natsuki, pareil, paf, 3-3-3-3-3 au milieu. Donc pour moi, ça correspond vraiment au nombre de points sur ces du personnage. Kawaii. Email. D'accord. Nanananananananana. Mou colère, papa. Ouais. Super. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Il est là. 9h15. Mais si ça... Ça donne quand même 3 points, mais ce serait 3 points pour une Natsuki. Et c'est dans les trucs de Yuri. Et ça lui donnerait 0 points à elle. Qui est un truc qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est trop bizarre. C'est vraiment, vraiment étrange. Je suis perplexe. Mais donc par contre, est-ce qu'on trouve un 2-2-1 quelque part ici? Je pense pas en fait qu'on va trouver un 2-2-1 dans l'idée. Bon, alors on le trouvera sûrement pas dans les mots de Yuri. Parce qu'en fait, moi je pensais essayer de trouver un mot qui correspondrait à 2-2-1. Bah, à mon avis, non, ça va être plan projet, hein, le truc où il faut regarder. Ouais. À mon avis, parce que là, c'est tout commence par un 3, donc non, c'est mort. Ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on a la liste des mots. Après, je vais essayer de pas trop retenir les mots non plus, c'est pas le but. Ça. Ouais, voilà, super. Voilà, en même temps, on a le point RPA, donc on... Ok. Sauvegarde. Sauvegarde 0 et sauvegarde 1. Il y a 2 saves. Après, je crois que c'est parce que j'ai 2 saves, justement, dans le jeu. C'est bien possible. On a les personnages, hein, voilà. Monika.caractère, Natsuki.caractère, Sayori.caractère, Yuri.caractère. Chacune faisant un poids différent, hein. Monika qui fait... elle fait pas le cumulé limite, non, elle fait pas le cumulé de tout le monde. Mais bon, voilà, peut-être même plus que tout le monde. Bref, en tout cas, passons ici. Donc tiens, bah commençons par regarder le 2-2-1, tant qu'à faire. Yes. Possible d'ouvrir planprojet.txt. Super. Non, c'est pas là. C'était où les clés? C'est en sauvegarde. 2-2-1. Et 2-40, là, ouais, mais 2-40, c'est pas 9h15. heure, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ouvre à 2h40. On peut tenter, hein. Moi, je peux tenter, hein, d'attendre 2h40, hein, ça me va, hein. Ah bon, on avait tout tenté. Sachant que, voilà, je ne peux pas... Ah, est-ce que j'ai d'autres options?
Non, on me donne que... J'ai que ouvrir ou supprimer, quoi. J'ai pas envie de tenter supprimer. Bon. Donc, maintenant, passons... Et là, vous allez voir que je vais pouvoir ouvrir aucun des fichiers. Et je vais être dégoûté. Parce que ça, vu que j'ai pas tenté de les ouvrir... Putain. Donc, id non-piste 06.txt. En fait, on va se contenter de ce qu'on a comme info, c'est-à-dire, bah, du coup, le nom. Ensuite, j'ai le 130. Note réunion 2. .txt. Même ça, je peux pas l'ouvrir. Ensuite, on a, j'ai le 030. Mais du coup, c'est pas dans l'ordre, mais... écoutez, super. Yes. Ensuite, le 344. MES.txt. MES.txt. Message.txt, sûrement. Ensuite, le... Ah oui, ensuite, j'ai le 404. Le 404, il m'avait fait rigoler. Parce que c'est ddlc.txt, quand même. Genre, l'erreur 404, hein. Voilà. 501. 14. 14. Non, parce que du coup, vu qu'on peut pas les ouvrir, faut regarder vis-à-vis du nom. Bon, est-ce qu'on a tout vu? Je crois pas qu'on ait tout vu. Il me semble qu'il y a un fichier que j'avais vu. Mais il est où ce fichier? Attendez, mais il peut être que là du coup. Note réunion 1, voilà. Et test. Ouais, voilà, ça, voilà, c'est ça. Ça. Ceux-là, on les avait pas ouverts. Donc, test de copie de fichier depuis un lecteur connecté au client léger. Donc, ça veut dire que quelqu'un a tenté de le faire. Note réunion. Ah, et du coup, il a réussi à copier la note de réunion. Donc, en fait. Ah, mais attendez. Si vous devez accéder au fichier de partage encodé, copiez-les sur un autre lecteur et connectez. D'accord, en gros, là, on explique que pour accéder aux fichiers qui sont dans les trucs internes, il faut que j'arrive, il faut que je les copie, en fait, là-dedans, quoi. Si je comprends bien. Bon, chronologie de l'événement, mise à jour. Nouvelle tâche, scénario de test pour nouveau modèle génétique. Bon, potentiellement Libitina, je suis contenté de dire ça. Idée pour optimiser le temps serveur. C'est pas clair. Collecte automatique des données. Migration des données vers un partage de fichiers encodé lundi. Blocage de la MV2. Voilà, alors moi j'ai vu ça. J'ai vu cette phrase-là juste en fait. Moi j'ai juste lu cette phrase-là. J'ai fait mais qu'est-ce que quoi? Et voilà. Et donc blocage de la MV2. RO sur la MV2. Tous les autres sur la MV1 pour la collecte de données. Je ne comprends pas cette phrase. Qu'est-ce que MV? À part un streamer. Monica version? Genre vraiment, c'est le seul truc. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? MV. Genre un M et un V. Non, mais en vrai, ça peut être des trucs genre motion. Je sais pas, motion vision. Qu'est-ce que ça. En vrai, attends, ça peut être un truc. Bah, Metaverse, voilà, c'était ça que j'avais pensé aussi. Ça peut être Metaverse 1, Metaverse 2. Ça aurait peut-être du sens parce qu'on parle de collecte de données. Idée pour des types de recherche de données. Rendu visuel. Données audio. Modification des environnements de la MV. Alors, on dit de la MV, donc c'est pas du MV. Donc on dirait pas du Metaverse. Est-ce qu'on dirait de la Metaverse? C'est la métaverse, peut-être. Parce que modification des environnements, ça me fait penser au background. Les données audio, les musiques. Les rendus visuels, les images. Altération persistante des variables. Horodatage. Altération persistante. En fonction de l'heure, on aurait des variables différentes. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer? Analyse des schémas de pensée, non de temps serveur nécessaire et excessif. Ça, est-ce que ça veut dire qu'en gros, ils avaient prévu... Est-ce que... Je sais pas, peut-être que je vais beaucoup trop loin dans l'analyse, hein, mais... Est-ce que du coup, ça veut dire qu'en vrai, de base, quand ils avaient fait le jeu,
enfin quand ils avaient fait des DLC+, ils avaient pour projet d'aller jusqu'à essayer de, en fonction des actions du joueur, que le jeu prenne un comportement différent. Mais qu'en vrai, ce serait trop compliqué à faire. Réunion prévue. Vous savez qui a encore trop digressé? Il faut que j'insiste sur la nécessité de se concentrer. D'accord. C'est assez intéressant. Je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est assez intéressant quand même. Est-ce que ça veut dire que il faut que je tente à 2h40? On verra. Hein. Il y a sûrement un secret encore en... Il y a un secret dans ce jeu là. Il cache des trucs. Hein. Mais il cache de nouveaux trucs. C'est ça qui est marrant. Enfin, on dirait qu'il cache de nouveaux trucs. Ouais, on peut supprimer les persos. Hein. Ah, écoutez. Voilà. Bon, écoutez. Sur ce, je vais y réfléchir. On se retrouve bientôt aussi pour la suite de DDLC+. Moi, je vais enchaîner les tournages. Je vais faire là une petite pause, histoire de sûrement me remater les éléments et la vidéo donc de Captain Hype sur DDLC. Histoire de me remettre un petit peu en tête les différents éléments un petit peu à cacher qu'il y avait. Essayer de réfléchir à tout ça. Parce que bon, Dan Salvatos, pareil, ça correspond pas trop à MV, à Ro, à... C'est quoi les noms qu'on a aussi des personnages? Il y a Remua. Non, c'est pas là. À chaque fois, je me gourre. Voilà, c'est Rhea. Rhea et Paula. Donc, pareil, Ro, Rhea, ouais, et Paula. Ouais. Mais après, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que autant on a les images et la musique qui sont déjà mis, autant effectivement, par exemple, mise en place d'un serveur proxy de messagerie pour nous permettre de communiquer efficacement, bon, sans avoir à soucier des supérieurs, ça c'est le lore. Mais le courrier, justement, comme par hasard, on n'en a pas. Après, on a une boîte de réception, ceci, donc ça pourrait indiquer que le proxy est déjà mis en place. Ça veut sûrement dire ça. On est sûrement dans le futur, là, quand même. Je pense. Mais jusqu'à quel point et qu'est-ce que ça veut raconter avec ça? Je me pose encore des questions. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, je suis trop content. Je suis vraiment trop trop content de me remettre dans cet univers. Voilà, sachant que hein, bon, on va s'amuser sur ce let's play, je pense. Moi, en tout cas, je vais m'amuser. Je sais c'est toujours pas qu'est-ce que je vais faire du format. Mais ça c'est mon problème. J'ai envie de vous dire. On verra bien. Je pense que du coup, vous verrez beaucoup et finalement, pourquoi pas avoir quand même des formats à peu près bruts de temps en temps. Voilà, c'est pas grave. Il y a quand même des formats plus montés. Bon, d'un moment, voilà. Voilà. Puis il est trop bien ce jeu, quoi. Enfin bon, bref, j'ai hâte de me replonger dans cet univers encore plus, de percer un petit peu les secrets qu'il y aura. Alors, on va pas se mentir. À mon avis, il va y avoir des gens beaucoup plus brillants qui vont trouver des trucs de ouf. Mais on va faire ce qu'on peut déjà et on va réfléchir un petit peu là-dessus. Puis voilà, en plus, enfin, en vrai, comme je l'ai dit, j'ai évoqué Libitina, donc effectivement, c'est possible qu'il y ait quand même des rapports. Je pense qu'il y a un minimum de rapports avec l'ancien lore caché qu'il y avait dans le jeu. Mais on a l'air quand même d'être parti sur un truc différent, donc. Tous les tenants et aboutissants de cette partie-là, je les connais pas. Et je suis très très curieux. Bon, sachant qu'il y a aussi l'histoire annexe. Hein. Ah, ça, j'ai très envie. Hein. Mais pas encore. Pas encore. Ça, avant, on... Voilà. Avant, on fait l'histoire. Et ensuite, on verra ça. Bref. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.